Hello, la team du 115. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le what pour la mobilité dynamique et renforcement en même temps. On va faire sur 30 secondes de travail, 15 secondes de pause. Trois exercices différents et on va faire ça 5 fois. Alors, premier mouvement, ça va être le lizard crawl, ok? Sous un autre nom, Spider-Man. Okay. Je mets ma main droite un peu plus bas par rapport à la gauche. Je vais amener ma jambe droite près de mon coude droit. Je vais pousser sur ma jambe. Je vais ramener ma main droite vers l'avant. Et je vais passer ma jambe gauche près de mon coude gauche. Et j'avance un sac à chaque fois. Ainsi de suite. Pendant 30 secondes, on effectue ça. Alors. Après, on va faire sit-through, ok? C'est-à-dire, je viens ici, position quatre pattes. Je vais passer ma jambe droite à l'intérieur. Je tourne, je fais une petite rotation, puis je reviens quatre pattes et je repasse de l'autre côté. Ok? On revient à chaque fois, position quatre pattes. Je passe ma jambe, je me tourne. Et je reviens. Alors, dès que cette partie est faite, on va effectuer le split squat. Alors, c'est quoi? Je mets la jambe droite vers l'arrière, je pousse un maximum mon genou vers l'avant, je remonte, je redescends simplement. Ok, on essaie de vraiment garder bien le talon de la jambe gauche au sol. On se redresse, on repart. 30 secondes, on effectue ça. Dès que c'est fait, on met les mains au sol, on change de jambe, on passe sous la droite et le pied juste derrière la main. Ok, je me redresse et j'y vais. On pousse bien le genou vers l'avant tout en gardant le talon au sol. On descend, on remonte. On essaye bien évidemment de garder le buste le plus droit et perpendiculaire au sol. Alors, petit what qu'on va effectuer ensemble. Alors, on va commencer par 100 jumpy jack. Ok, tout le monde connaît le mouvement jumpy jack. On démarre les mains près du corps. Au moment où je vais ramener les mains vers le haut, j'écarte et je descends. Ok. J'effectue ça 100 fois. Dès que c'est fait, on va faire 4 strict handstand push-up. Ok? Si on ne sait pas faire la handstand push-up, on prend une petite hauteur. Ok? On vient, on dépose les pieds sur la box ou sous la chaise. On fixe bien les omoplates. Au moment où je descends, je pousse sous les mains. Et je ramène la tête et les épaules vers les pieds, ainsi de suite. Ok. Pour la handstand, vous connaissez, on part directement en poirier. On verrouille bien. On descend. On monte. On effectue ça 4 fois. Dès que c'est fait. On va partir sur des overhead squats. Prenez soit un élastique, soit un bâton de manche de balai. Et on effectue ça 8 fois. Ok. Petit bâton. Je viens. Je pousse bien la barre au-dessus de la tête. Je verrouille au maximum. Je pars en squat. Je reste à la parallèle. Si je perds l'équilibre, je reste un peu plus haut. Je me redresse. On regarde bien devant soi pour trouver un point fixe. Et hop, on remonte. On redescend. Alors, dès que ça c'est fait, on part sur 12 and release push-up. Vous connaissez le mouvement du and release push-up. Planche haute, les mains autour des épaules. On descend légèrement vers l'avant. On laisse la poitrine au sol. On lève les mains.
on remonte. Ok? Ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive à 12 reps. Dès que c'est fait, on part sur des jump squats. 16 répétitions. Jump squat. Et même mouvement qu'un squat. Ok? Au moment, je vais chercher l'extension, je saute. Et je répète ça 16 fois. Dès qu'on a fini, on fait par, pour terminer, 50 burpees. Ok, burpees, vous connaissez. Je viens, j'amène les mains près des pieds, je pousse les pieds vers l'arrière, je me laisse poitrine au sol, je me redresse, je jump et je tape les mains au-dessus de la tête pour finir tout ça. Amusez-vous bien, à bientôt.